E aí, beleza? Vocês, velho Brian. Vamos lá então dar continuidade aqui nossa série de Apague Tale Inocência. Estamos no episódio de número 2 agora da nossa série. Então, sem mais delongas, você que não é inscrito, aproveita, já se inscreve, já deixa o dedo velho like, fortalecer o vídeo, o trabalho que é feito. E vamos embora de Apague Tale. Estamos agora no ato 2, né? Os Estranhos. Procure ajuda. Vamos lá. Vamos procurar ajuda então. Amicia, Graficamente. pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qu'il nous amène voir papa et maman? Oui, on fera ça. Cara, graficamente não temos nem o que falar desse jogo, né? É muito bonito. Muito bonito mesmo. Gameplay até então tivemos pouca, né? Já teve um certo Où nível sont aí de passés les gens? dificuldade na gameplay. Mas tá muito bonito o jogo, cara. Olha que cenário. Detalhe da lama, textura, né, do chão, né, com lama. Ah, des pommes. Hugo, c'est pas le moment. Mais ne touche pas. Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger? Caraca, tá tudo abandonado aqui, pelo que parece, né? Tudo podre. Que louco, o que aconteceu aqui, mano? Não tem nada que preste aqui nesse lugar. Ele não corre, né, nesse cenário mesmo, apertando R2. Não tem nada de coletável. Ils sont vraiment très grands. Ils vont rien te faire. C'est quoi ces bruits? Ils sont malades? Ils se dégagent, les naseaux. Allez, on doit y aller. Pá. Vamos embora então. Nada por aqui. Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. Fumaça. S'il vous plaît, attendez, madame? Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ont eu peur. É, o povo tá inteiro assustado, né, cara? Ninguém sabe o que é que tá acontecendo. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider. Allez-vous-en. On veut pas de vous ici. Mais je suis la fille de votre seigneur. Caraca, véio, o povo tá nem aí pra ajudar. O povo tá sabendo de alguma coisa. C'est pas vrai. Il se cache. Trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où? On perdra. Il y a quelqu'un. On viendra plus tard, quand ça ira mieux. Mais on sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler.
quelqu'un? Y a rien pour vous ici. Fichez le camp. Mais qu'est-ce qui vous prend? Moi, j'aime pas cet endroit. Caraca, ninguém quer ajudar, mano. Opa! C'est du savon? Ne touche pas. Sabão, mais uma curiosidade. Com medo de miasmas associados ao cheiro dos mortos se espalhando, a higiene progride muito, junto com o desenvolvimento de vilas e cidades. Sistemas rudimentares de esgotos começam a aparecer e a maioria dos vilarejos possuem saunas, banhos públicos. Trilha sonora também impecável, oh, né, cara? Des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, partout. Il y a eu un feu. Ils ont brûlé tous les meubles. Queimaram toda a mobília. Corvo por aqui agora, onde? Não sei se eu tinha que acertar ele com a pedra. Beco sem saída. Amicia, les pommes sur un arbre, c'est à tout le monde? Au point où on en est, je crois que oui. Oh, merci. Aê, até que enfim a vai comer. Alimentando os famintos, ganhamos um troféu. Olha isso. Legal. O Pia vai comendo mesmo, olha lá. É, já vi que tem uns troféus interessantes. C'est pour ça qu'il se cache. Tá rolando alguma loucura pra cima ali, mano. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête? Ça ressemble pas à une fête. Meu Deus, estão queimando as pessoas. Ei! Je vous en supplie. Aidez-moi. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non. Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia, viens vite. Cours, Hugo. Qu'est-ce qui se passe, Amicia? Parle pas, cours. Mais pourquoi ils sont en colère? Ils vont nous brûler, nous aussi. Il faut qu'on se cache, Amicia. Ici, à l'intérieur, vite. C'est calme ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'à attendre qu'il se pointe. Je pourrais pas les... Hein? C'est quoi ce machin? Hé, hey, vous! Venez voir par ici! Allez. Droga, vacilei. Caraca, a gameplay desse jogo não é tão facinho não, mano.
Qu'est-ce que... C'était quoi ce bruit? Je reviens. C'est bon, Hugo. Oui. Allez. Chut. Chut. Vous, partez ou mourrez. Ouais. Ce vacarme. Hé, hey, c'est quoi encore ça? Je vais jeter un œil. Allez. Oh, ça recommence. Hé, hey, vous, partez voir par là. Monsieur. Ouais, isso também. Hé, hey, c'est quoi encore ça? Je vais jeter un œil. Chut, chut. C'est bon. Toujours rien. On y est. Bon, reprends ta garde. On l'a bien eu. Vous voilà. Ah, pas par là. Où est-ce vamos, qu'on vamos, va? Vamos, no carreiro. Cours aussi vite que tu peux. Là, le mur. Ils arrivent. Vite, vai, vai, vite. Joga ele. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Já sei que tem que pegar aquele carrinho ali, mas deixa eu ver aqui se não tem mais nada. Reste ici. E pas un bruit surtout. D'accord. Tá. On va la pousser. D'accord. Como é que faz curva nisso? Como é que faz curva nesse carrinho, mano? Que louco. Ai, com a câmera. Agora entendi. Agora deu boa. Aê, garoto. Vou grimper dessus maintenant. Pedra, tamo cheio. Tô achando que com essa bauleadeira dela, será que a gente não pega alguma coisa que esteja no teto? Derrubar, né? Sei lá, algum colecionável. Até então não, mas tudo bem. Y'a une caisse là-haut.
La tâche a l'air fragile. Allez. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Allez. On va pousser ça. Le moment que eu falei, deu bom. Viens, je vais te faire monter. Oui. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'il ne nous retrouve pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Michel, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser. Non, non. Je te l'avais dit. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais attention. Allez, allez. Tiens. Bravo. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Bouge pas et reste sage. C'est bon, Hugo. Viens là, j'arrive. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles! Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer! Mordus! Ils sortiront pas d'ici vivants! Ah, caramba, o cara tá revoltado da vida. On y va! Por aqui acho que não vai ter nada, né? Então vamos embora. Vamos com todo cuidado agora, né, cara? Agora tá parecendo. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici par les temps qui courent? Sûr qu'ils sont sortis de l'église avec le reste de cette pourriture. C'était quoi ce bruit? É, aos poucos a gente vai pegando as manhas, né, do troço. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh non, encore eux! Droga! C'est par où? Je sais pas! Il n'y a aucune issue! S'il te plaît! Je sais! Ça ne va pas les retenir longtemps. Vite! Ils savent qu'on est là! Vous êtes foutus!
Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici? Ils ont coincé une planche. Tu peux l'enlever? Je sais. Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. J'arrive pas. Hugo, il est là. J'arrive. Hugo, fais quelque chose. Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Une impasse. C'est la fin. Par ici, vite. Vous n'avez rien à craindre. Entrez. Chut, Seigneur. C'est le coin le plus infecté du village. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. Os estranhos, completamos. Pegue as roupas no baú no andar de cima, tá? Pera aí. Opa, isso aqui tá parecendo uma mesa de edição de armas. Será que teremos isso? De l'encens. Ça sent la maison. Incenso e ervas. Os alquimistas sabem e a população geral começa a suspeitar. O mal não existe só nos corpos dos infectados, como também viaja ao redor deles. Consequentemente, as pessoas culpam o fedor no ar, que indica a presença de miasmas e, portanto, de doenças. Para afastar o grande mal, o ar de locais contaminados é purificado com a queima de ervas que às vezes causa incêndios na comunidade inteira. Caraca. Mais um, né? Curiosidade aqui. 4 de 26. Tamo indo mais ou menos. Cara, a luminosidade nesse jogo tá muito bonita, né? Até então não teve nenhum item escondido, né? Assim, dentro de alguma coisa. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête. On va se faire attraper. Hugo, on fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends. C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh. Je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Pega as ferramentas perto da bancada e couro no quintal. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Oh,
achei que isso aqui ia ser uma bancada pra gente melhorar a nossa. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez. Aê, toi, falei. Segure para consertar sua atiradeira. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Dá para melhorar mais ainda. Cordas, reduz o tempo que leva para a missa pegar a carregadeira e a atiradeira. Pode tomar seu uso mais rápido. Ó, bolso a gente pode melhorar também. Bolsa de munição e equipamentos. Correis e se esquivar faz menos barulho. Beleza. Podemos melhorar nossa bolsa. Reduz o tempo necessário para... Máxima a precisão de um disparo e cordas aqui, né? Tá, a gente não tem mais nada. Tá, e aqui é o códice. Perfeito, il faut que j'aille remercier Clairvy. O códice a gente pode vender alguma coisa? Não, né? Não, vamos lá. Ah, alors? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. Tu sais que vous les avez perdus? Ouais, chut. Ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet! T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot! Ne crie pas! Les enfants! Ne faites pas de bruit! Je veux voir maman! Tais-toi! Tu vas nous faire tuer! Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Amicia. Tu mens. Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Hugo, reviens! Oh, c'est pas vrai? Où ils sont? Où ils sont, bordel? Oh non, il va nous faire tuer! Hugo, je t'en supplie! Je suis désolée, arrête-toi! Mon Dieu! Oh Seigneur! Hugo! J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Non, laisse-moi. Je suis désolée. Non, laissez-moi. Oh non. Non, non. Non, lâchez-le. Lancez la tête. Non, attendez, on veut juste s'en aller. Tu vas... Je voulais pas. Amicia. Caraca. Amicia. Hugo. J'arrive. Caraca, matamos um cara, mano. É, dois, um adolescente e uma criança, né? Ia dar nisso mesmo. Uma hora eles iriam brigar. Faites qu'ils soient encore en vie! Faites qu'ils soient encore en vie! Hugo! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrête de gigoter! On attend juste ta sœur. Amicia! Amicia! Moi, tu ne m'enterreras pas! Je vais commencer par toi! Pourquoi non. Il a fallu que c'est comme ça que tu comptes me tuer? Je vais pas faire ça! Pauvre idiote! Cette armure a arrêté bien des épées! T'es rapide!
Mais il suffit d'un coup. Un seul. Je suis juste un peu rouillé. Je vois. Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Laissez-la. Je vais te montrer ce que c'est. Tu crois me faire peur? J'ai servi dans ta guerre. Ai! Uma só, maluco. Cê é doido? Apertei bolinha, velho. Rapide, je vois. Pitié! Je veux pas! Laissez-nous partir! Trop tard! Laissez-la prendre! Tu peux pas fuir! Crois-moi, je vais t'avoir! Rien, maluco. Je vois. Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Tu crois me faire peur? J'ai servi dans ta guerre. T'es rapide, mais il suffit d'un coup. J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, n'obligez pas à faire ça. Vous en souffrez. Ridicule! C'est fatigué! C'est ça! Continue! Seule la mort me désarmera! Oh, ma sauveur! Caraca, que massa, chefão! Amicia! Tu l'as tué! Teve que matar, né, velho? Os estranhos. Concluímos então o ato 2. Retaliação. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Explore a igreja. Não dá pra gente chamar pro moleque andar com nós, né? Olha, tem uma escada pra gente sair. C'est peut-être une sortie? Tá. Uau! Pourquoi il y a des bougies? Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. Aí, voltou. Vamos dar uma explorada aqui. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Cara, a luminosidade desse jogo tá muito bonita, né, velho? Tem algo aqui? Álcool. Por que eu pego álcool, mano? Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée.
mais alguma coisa aqui. Enxofre. Dá uma olhada aqui nesses bancos, tem nada. Opa! Oh, um collier, c'est un terço, mano. Rosário. Feito de madeiras simples, esses colares servem como guias para orações, para constatar o quão inescapável a religião é na sociedade. Basta constatar o quanto rosários são comuns. As instituições prometem a salvação a seus fiéis. Aparam-lhe hospitais e pontuam o ano com procissões e celebrações. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. Fio aí na orelha. Tá, isso aqui é une barricade. C'est quoi? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. Tá, conseguimos explorar então a igreja. Tudo que havia aqui. Eu acho que pra cima não vai ter nada, né, cara? Cara, mas tá muito bem feito, né? Que não. Então é isso. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo aí de A Plague Tale: Innocence. Falou, valeu, muito obrigado pela atenção. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Continuaremos exatamente daqui no terceiro capítulo. Beleza? Falou, valeu, até mais.